Bon, alors, tu as ces chevaux, ce sont les tiens, tu travailles tous les jours avec. Et en quoi consiste exactement ton travail avec ces bêtes ? Moi, je les élève et je les valorise par le biais de la structure que j'ai créée chez moi au village, donc à Farinol, là où on est. On les valorise en tourisme équestre. Des jeunes qui travaillent avec des chevaux corses, d'abord, bon, des jeunes bergers, que ce soit au vin, caprin ou autres, travaillent beaucoup avec les chevaux corses. Maintenant, il est vrai qu'ils en ont 3, 4, les leurs, et on monte en montagne, on part en estive, ou au Gawal, ou au Fatou Beoudraouaï, ou au Lamig, ou au John, ou au Bastor. Dans nos sentiers, c'est un des chevaux les plus utilisés. Ces chevaux sont vraiment exceptionnels pour ça, puisqu'ils sont légers dans leur démarche, donc sur des tiasses qui sont un peu difficiles, c'est des chevaux qui ont le pied très sûr. C'est vraiment un cheval aussi bien mentalement que physiquement qui a la superbe conformité pour évoluer chez nous en Corse, mais je pense aussi dans d'autres milieux. Donc là, on a la jument. Là, on a la jument. Type Cavalugos ou Paganaccio. Hein, ou Paganaccio. Et d'arrêter de au stallone, misibare. Oui, et bien, d'arrêter de au stallone, un mobiado in tenda, in la serra di tenda, per me, c'est comme un fiore. Les caractéristiques du cheval corse sont une impression d'ensemble d'harmonie. Hein. C'est un cheval qui s'inscrit dans un carré avec des proportions vraiment harmonieuses. Une tête très très expressive qui s'affine vers les museaux, des oreilles courtes, un dos très très court, un rein très court. C'est des chevaux qui allient d'une part de la vivacité, du nerf, des chevaux très très avec du sang, très très vif, très allant, et en même temps une sociabilité, un mental exceptionnel, un caractère vraiment. C'est des chevaux très très calmes, froids, mais à l'utilisation, si on a besoin, on a du moteur dessous, hein, on voit ses croupes, vraiment du muscle. On a vraiment une utilisation polyvalente avec ce genre de chevaux. Merci Pierre-Laurent pour cette présentation. Rigoulez ma cavale ou tu arrives à la orange? Eh bien, on aime, on continue du moment à nous rachera. Cowboy. Cowboy. On va un petit peu parler des figures western. Il me semble qu'on a des pas chassés en diagonale. Qu'est-ce que c'est exactement? Les pas chassés en diagonale, de toute façon, les figures western, c'est tout ce qui est découlé du travail avec les vaches. Au cas où il faut brusquement arrêter son cheval, soit pour la direction d'un troupeau, soit s'il y a un précipice, il faut que ce cheval soit apte à répondre immédiatement avec le poids du cavalier. Se tu cavalo corso, infine, ciò a dire liberamente un cavallo peico boy, allora? All'origine, dire un cavallo peico boy. Pare che Cristovano Colombo l'avessi via di qui e portato in America. Se non è vero, è ben trovato. Cowboy. Cowboy. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy.